La légende des nunchaku. Selon Wikipédia, un nunchaku est un fléau à deux branches utilisé comme arme de combat et de façon artistique dans différentes écoles et disciplines martiales d'origine asiatique. Selon dragonsport.eu, cette arme est constituée de morceaux de bois, acier, mousse, inox de longueurs égales maintenus ensemble en leur extrémité par une chaîne ou une corde. Les bâtonnets peuvent varier et mesurer entre 30 et 35 cm de long. Selon ce coucher moins bête. En effet, un nunchaku de 180 grammes peut dépasser les 300 km/h et atteindre une puissance de 350 joules par cm2, ce qui équivaut à l'explosion de 0,5 g de TNT. Selon dragonsport.eu, relativement légère avec 380 grammes, il s'adresse à des personnes ayant un niveau intermédiaire qui veulent s'entraîner avec un nunchaku parfaitement dur et rigide, avant de passer au nunchaku bois. Nunchaku à roulement constitué de deux morceaux de bois de forme octogonale maintenus avec une chaîne en acier. Selon Nunchaku SFW, description, ce mouvement cumule l'aller et le retour de la rotation autour du poignet sans casser le mouvement et de façon très fluide. C'est un mouvement très intéressant et très agréable à exécuter. Selon Superprof, parmi ces armes, la plus célèbre est sans aucun doute le Nunchaku. Cette arme se compose de deux bâtons reliés par une corde ou une chaîne que l'on manie comme un fléau. Elle est aujourd'hui maniée de manière artistique, mais elle servait auparavant à l'autodéfense contre les forces armées japonaises. Selon Fédération Française de Karaté, le Nunchaku est à l'origine un simple outil agricole qui fut détourné de sa vocation première par les habitants de l'île d'Okinawa. Selon Fédération Française de Karaté, le Nunchaku est à l'origine un simple outil agricole qui fut détourné de sa vocation première par les habitants de l'île d'Okinawa. Ces derniers envahis, par la Chine puis le Japon, et interdits d'armes développèrent des techniques martiales basées sur leurs outils pour se défendre. Voilà l'histoire d'explication de la légende des Nunchaku. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les mouvements, ce n'est pas un montage.